Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Oh là, ça fait 2 jours que j'ai pas joué à ce jeu, je suis en manque. Je suis super content de vous retrouver sur ce nouvel épisode. Alors pour vous, vous n'avez pas de coupure parce que je fais en sorte de vous sortir un épisode par jour au minimum, hein. C'est le moins que je puisse faire. On est bien sûr dans la maison d'Aerys et la maman nous a demandé de quitter les lieux. Je pense qu'elle s'inquiète un petit peu pour sa fille. Donc, c'est la nuit et Cloud s'est levé pour partir et rejoindre son secteur d'origine, le secteur 7, il me semble. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien sur ces vidéos. Vous êtes vraiment au top, les amis. Continuez de liker et de vous abonner. Sortir discrètement. Tentez de sortir de chez Iris sans qu'elle vous remarque. Pour cela, prenez garde à ne pas heurter d'objets ou faire de bruit lorsque vous vous déplacez. Ah ouais. D'accord. Donc là, j'imagine qu'il y a... Ah oui, il y a des objets... Ah oui, c'est le bazar en plus. Oups, j'ai fait du bruit. Ça commence mal. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. T'as fait un cauchemar, c'est ça? Allez, repose-toi jusqu'à l'aube. Demain matin, je te raccompagnerai. Ok. Bon, on aura vu comment ça se passe quand on se fait griller. Il faut que je fasse plus attention cette fois. Ok. J'ai cru que le jeu avait bugué. C'était tout noir. Alors. Deuxième essai. Est-ce que je peux utiliser les flèches directionnelles? Non. Non mais attends, c'est pas possible. J'ai touché quoi? T'exagères. Oups. Je viens de te dire de te reposer. Allez, retourne dans ta chambre. Elle va vraiment croire que... Okay. Alors, elle va vraiment capter que... Qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Bon, j'ai pas fait 2 pas encore, que je me suis déjà fait griller 2 fois. on va essayer d'être plus discret. Notamment en sortant de la chambre, apparemment il y a un truc que j'avais pas vu au premier essai. C'est quoi? Alors attends. Bah, ils m'ont enlevé des trucs carrément. Ils se sont dit. Il est trop nul, on va lui. Mais en fait, les mouvements sont pas... Tu sais, genre, c'est pas hyper simple de le déplacer Ça y est, tu y vas. Discrètement. Comment je dois faire pour aller au secteur 7? Il suffit de traverser le secteur 6. C'est simple, non? Il y a quelques endroits dangereux sur le chemin. Mais tu es soldat, tu en as vu d'autres. Ex-soldat. Enfin bref. Désormais, ne t'approche plus de ma fille, s'il te plaît. Entendu. Je te remercie. Bon, le prix de la force. Bon, elle est pas contente la maman, clairement. Dès qu'elle a appris qu'on était un soldat, c'était fini. Oh là, c'est super mignon. Attendez, je regarde un peu par là. Eh, franchement, qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment mon coup de cœur du jeu, cet endroit-là. Donc voilà, il faut qu'on rejoigne le secteur 7. Pour ça, il faut qu'on passe par le secteur 6. Et il semble qu'on va avoir affaire à quelques... soldats et j'imagine d'autres péripéties. J'aime bien quand c'est la nuit parce que ça change beaucoup les environnements, c'est très joli. C'est très silencieux également, putain, ça change avec... Ah, notre gentil fleuriste! Je vous suis très reconnaissante d'être allée secourir les enfants aujourd'hui. Ils sont tous émerveillés par votre courage et ne parlent plus que du soldat. Veux-tu bien remercier Aerys de ma part, s'il te plaît? Ok. Bon. Lorsque je raconte aux enfants comment c'était avant, j'imagine que c'est par ici. J'en suis pas bien sûr, mais bon. De la lessive au parfum de chocobo, elle a dit. C'est étonnant. Attends, on va regarder la carte quand même. Ouais, c'est par là. Au fond, à droite. Allez, on va sprinter un petit peu. Ouais, effectivement, on était... C'est un chocobo, ça. On n'en a pas encore vu des vrais. Hein. Je sais pas si on va en avoir dans le jeu. Oh. Ça alors, en voilà une drôle de coïncidence. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Pourquoi? Parce
parce que je veux rester avec toi. Montre-moi le chemin. Avec plaisir. Cloud ! Qu'est-ce que tu as ? C'est rien. A joué l'équipe Aerys. Attends, dans le flashback, il pleurait. Je sais pas pourquoi, quand il a vu Aerys marcher. J'ai l'impression qu'il y a des scènes. Quand il voit des scènes, ça lui rappelle des flashbacks. Waouh, c'est très mignon. Cette petite musique. On peut voir le ciel. Apprécier. Parce que c'est encore en travaux en haut. Ça fait peur. Tu trouves pas ? Il paraît que le plateau s'est effondré. C'était à l'époque où on bâtissait Midgar. Personne ne vivait dessus à ce moment. Heureusement, sinon ça aurait été une catastrophe. Bon, j'imagine que la maman de Daenerys va pas être très contente parce que sa fille a fugué. Et veut nous accompagner. Donc je pense qu'Aerys va rester avec nous maintenant. C'est quoi ça ? C'est Wall Market. Le bidonville du secteur 6 est un endroit un peu spécial. Mais attends, tu sais sûrement déjà de quoi il s'agit, non ? Je t'ai pas raconté. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite rejoint la Shinra. Que ce soit celui-là ou un autre, je connais pas trop les bidonvilles. Autrefois, pour pouvoir construire Midgar, on a fait venir beaucoup de main-d'œuvre. On a donc créé plein d'hôtels, de magasins, de bars et d'autres établissements. Ces commerces ont fait venir d'autres travailleurs, et l'argent a commencé à couler à flot. Forcément, ça a attisé les convoitises, et attiré des gens dangereux. C'est donc malfamé. Oui. Du coup, pour empêcher le quartier louche de s'étendre ailleurs, on l'a encerclé d'un mur. C'est comme ça qu'est né Wall Market. À l'intérieur de cette enceinte, les infractions sont tolérées. De cette façon, le problème est contenu. C'est le mur qu'on voit là-bas, c'est ça ? Oui. Tu voudrais y jeter un œil ? Ça m'intéresse pas. Tant mieux. Il y a un raccourci pour le secteur 7 par ici. Normalement, on prend le chemin qui passe par Wall Market. Mais moi, je conseille plutôt celui-ci. Quand j'étais toute petite, je passais déjà par là en secret. Dommage, j'aurais bien été voir Wall Market. Ah. Emprunter le raccourci. Ah, c'était déjà une exploratrice, la petite Aerys. Quand elle était plus jeune. Un écran déco, je sais même pas à quoi ça sert. On va passer sous ce gros rocher là, effondré. Bidonville du secteur 6. Route. Le plateau effondré, il a été effondré. Laissé dans cet état. On va passer par là ? Ça a l'air rigolo, non ? Bon, ah oui, effectivement, c'est... Oula. Alors, attends, est-ce que je peux l'analyser ? Je vais essayer de... Allez, ah bah déjà, j'ai pas de... Ça va, ton côté ? Ça va. Oh. Je peux rien lui faire, en fait. Quand il tourne comme ça. Oh, il est en choc déjà lui. J'ai même pas eu le temps d'analyser. Mais je pense que c'est un ennemi que j'avais jamais vu. Dragon, je sais pas quoi. Ah, il y en a d'autres. Ça, ouais, c'est mon boulot. Et moi alors ? Lézard volant.
sort, compétence. Ah non, c'est. Je crois que ça a Iris qui a. Quel sort. Compétence. Ah non. Je pensais que c'était Iris qui avait le sort d'analyse, mais non, j'ai dû le mettre à Tifa ou chez Pupi. Bim. Une bonne chose de faite. 132 gills. C'est quoi ça? C'est un bras gru. Ça a du charme, tu trouves pas? Un bras gru. Il n'y a plus d'échelle. L'échelle. Quelqu'un l'a remontée. Bon bah. Ce bras gru, on pourrait l'utiliser. Ben on va tenter. Alors, monter, baisser, pivoter vers la droite, vers la gauche, faire monter Iris. Attention afin d'éliminer les risques d'accident lors de l'utilisation. Veillez à ne jamais les abaisser en dehors des lignes jaunes. Ok. Cloud. Bon, je vais monter sur le bras gru. Alors transporte-moi jusque là-bas. Tu es sûr? Tout à fait. Une fois de l'autre côté, je descendrai l'échelle pour toi. Faire monter Iris. Ah ouais, il est vraiment balèze, hein. Une fois qu'elle est dedans, effectivement, c'est... Alors, je pense que là, on est pas mal. Ah, pour monter encore un peu. Faire descendre Iris. Bon, ça va, c'était mignon, cette petite séquence. Attends un peu. Je vais faire descendre l'échelle. Et voilà, le tour est joué. Et merci, Iris. Mais Cloud quoi, tu te sens, tu sais pas c'est quoi de taper dans les mains de quelqu'un. Attends. Oh oh. Oula. J'ai utilisé mon turbo ATD. Un petit temps de soins. Aïe. À mon tour, c'est ça. Ça va, de ton côté? Sort. Même extra soin, même. Hop les. Ouais, ça c'est. Jet de flamme, ouais, c'est une grosse attaque. Hop là, Iris. Elle est dans le mal. Compétence. Prière. Oh, j'ai raté. Il s'est enfui. Oh, il est en choc. Allez, passe en bravoure du soldat. Et là, on balance la sauce, les amis. On envoie du lourd. Adieu. C'est qui meurt. Et voilà. Nickel. Sans accro, on va quand même se faire des petits sorts de soins. Mutuellement, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai l'impression que le sort de soin d'Aeris est plus puissant. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un petit truc par là. On aurait dit qu'il y avait un passage. Allez, c'est par là. Oh, un petit coffre nous attend.
2 super potions. Ah ouais, là on va se faufiler. Heureusement qu'il y a des flèches au sol parce que c'est le genre de truc que jamais je trouve vraiment. Eh ben dis donc Tyrese, je pense pas que ta mère serait contente d'apprendre que tu passais par là quand tu étais jeune. C'est quand même vachement dangereux. Hein. Oh, il est déjà enchappé. Combien je fais de dégâts à peu près? Avec une attaque extra peu près. 400. Okay. Ah ouais. En fait, quand il fait ça, je peux pas l'attaquer. Non, je peux pas. Ouais, c'est pas grave, je passe avec Aerith. Je fais l'attaque à distance. Ah ouais. Il est chiant à faire ça, lui. À tournoyer comme ça. Voilà. Bah attends. Sort, soin sur elle-même. Et je pense que Cloud va se faire un petit sort de soin sur lui-même aussi. Voilà, 777. De récupérer, je regarde s'il n'y a pas un truc ici quand même. Ah bah non, bah ça, là c'est le don, là où on doit aller. Alors du coup je vais peut-être aller derrière, voir s'il n'y a pas un petit coffre ou un truc qui... Bah non, non, rien du tout. Rien du tout les amis. On n'a rien manqué, donc on continue. On continue notre bout de chemin. Alors là, on peut aller soit en haut, soit en bas. C'est étonnant. Là, il y a un levier. Tu ne peux pas saisir ce conteneur avec le bras gru? Attention, bon, le emploi des bras gru, ça on a vu déjà. Allez. Monter, baisser, voilà. Ah, ça, ça c'est droite-gauche, ok. Saisir le conteneur. Bravo! Ben dis donc, tu manipulais des bras grus avant? Allez! Regarde! Pourquoi il faut toujours qu'on nous embête? Bon, ben, tu vas encore devoir t'y coller. Faut tout faire ici. Moi, je vais descendre. Alors, on va remonter, on va se décaler. D'ailleurs, là, il y a une matéria, donc... Cloud! C'est bon! Attends, hop. Baisser. Comme ça c'est calé, c'est nickel, on pourra aller récupérer la matéria. Et du coup faut aller chercher Aerith j'imagine. Ah non elle est là. Je l'avais pas vu la petite Aerith, tellement le bras il est balèze, faire monter Aerith. Allez, viens dans la paume de la main. Ah, surtout te dépêche pas, j'ai tout mon temps. Hein. T'inquiète, je vais pas te faire tomber, ça va bien se passer. Et voilà, c'est nickel ça. Faire descendre les risques sans récupérer les objets qui n'ont pas encore été obtenus. Ah, ah bah non, attends. Attends, bouge pas. Est-ce que je peux faire descendre Aerith? Ah, je peux aller lui faire récupérer une matériel.
chaque instant. Putain, j'ai failli la manquer hein, si je cliquais sur oui. Une matériel contrainte. Ok, je l'ai et pas celle-là. Voilà. Je sais pas à quoi elle sert. J'ai bien failli la louper, je pensais que c'était à Cloud d'y aller en fait, mais... Ah, Iris nous a gentiment prêté main forte. Ouais, des fois je fais des jeux de mots comme ça, ça m'arrive. C'est bon, stop. Allez, descends-nous l'échelle. Parfait, je vais descendre l'échelle maintenant. Et nous on te rejoint tout de suite. Là on aurait des petites caisses à casser et là-bas il y a un petit coffre à pas oublier non plus. Bim! C'est bon. Et donc, ouais, le petit coffre. Une méga potion. Pas mal. Cloud, je suis ici! Ah je sais que t'es là. Oh. On est une boutique. On peut pas sauter là. C'est trop haut, pas vrai? Regardez. Un feu de camp? Ici? Donc, a priori, on doit pouvoir descendre. Alors, avant toute chose, on va déjà faire un petit tour à la boutique. Souvent, il y a des promotions, des trucs comme ça en plus. Acheter. Objet. Bon déjà, comme d'habitude, on va acheter le petit disque Cosmo Canyon. Après, il y a des super potions. On va regarder, il y a quoi? Des armes aussi. Alors, typiquement, je regarde un peu ce qui se fait, mais. 74. Talisman. Augmente la magie de 5%. Pas mal pour Iris, ça, j'ai l'impression. Materia. Ok. Je pourrais peut-être essayer de prendre le... Comment il s'appelle le... C'est celui-là, je crois. Non, c'est pas les bracelets, c'est les... C'est ça, pour Iris, notamment, qui est plutôt pas mal. Beaucoup d'oreilles, bon. Allez. On a 5000 donc on peut se permettre d'acheter un petit peu. On va prendre des super potions. Pour deux, on va en prendre 7. Et des potions j'en prends pas parce que clairement... Par contre des éthers on pourra en prendre un petit peu. Genre 3. C'est quand même pas mal. Des gueux de phoenix on a déjà pas mal. Et on est comment au niveau des... Ouais on va se reposer comme ça. Vu que les PM de Cloud ils sont à 6. Autant les remettre tout d'appoint gratuitement. Voilà. On a repassé comme il faut. Ah oui. Alors du coup, Aeris. Équipement et matéria. Aeris. Rempli à jeu de transcendance. Elle est quoi? Elle a quoi? Elle a engrenage magique. Engrenage magique, ça fait quoi? Rempli à jeu de transcendance sur ce que PM souhaitait. Ok, c'est pas ouf. Et voilà. Nickel, allez on est bon. Donc, apparemment il y a une façon de descendre. Laisse, je m'en occupe. Ah non, quand même pas. C'est pas vrai. C'est bien le turbo ATB, hein, c'est pas de remplir une jauge. Je vais t'aider directement. Oh là, ils sont chiants quand ils volent comme ça. Allez, on en a eu un. Ah non! Même pas. Oh bah, les deux ils sont morts en même temps. Avec son attaque. Alors là, il y a une échelle effectivement. Bah là, c'est d'où on vient donc. J'imagine que c'est par là.
Quoique. Ouais, je suis plus sûr là. Cloud, vas-y doucement, s'il te plaît. J'ai compris. Si, ça doit être par là. Mais y'avait rien dedans ? Ah oui, c'est par là. Oh, un petit ponton. Faut pas tomber dans l'eau, hein. Je crois pas qu'on puisse tomber d'ailleurs, hein. Non, il... C'est pas comme dans les jeux où tu dois t'équilibrer avec droite-gauche. Ça va aller, ouais. Nickel. Allez, on continue. On va passer cette porte. Y'a quelqu'un ? C'est désert, on dirait. C'est encore chaud. Et si on rallumait ? On pourrait camper ? J'ai pas le temps pour ça. Et puis... Oh, regardez ça ! On a deux voleurs, là ! Hé ! Mais dites-donc, c'est pas gentil de s'introduire chez les gens ! Pas le choix, on va devoir leur demander un dédommagement. Ouais. Un démon de mots. C'est quoi ce truc-là? Abruti, c'est pourtant pas compliqué, tu souffres à un dédommagement, c'est comme... pas assez simple. Tu sais, toi. Dédommagement, alors, c'est très simple, c'est... On a absolument rien fait de mal. Oui. On ne faisait simplement que passer. Oh, ils s'imaginent qu'on va les croire. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Donnez toutes vos possessions, ce serait déjà un bon début. Vos possessions. C'est quoi des possessions? Des possessions, c'est simple. C'est comme... un dédommagement. Les possessions, c'est un dédommagement. Bon, ça ne sert à rien. Ouais, ils sont trop forts, eux. C'est qui ces mecs? Bim. Je crois quasiment en plus qu'ils aiment pas trop le feu, alors elle bouge pas. On va leur faire une petite attaque de feu là. Ça va les calmer. Ah ouais, bon, alors lui il est mort direct. Ils ont l'air vraiment chum derrière leur masque en plus. Ah, il m'a volé. Il m'a volé 1467. C'est une blague. Tu veux que je reste à l'écart? J'espère que je les récupère. Et même pas. Vous autres, surtout bougez pas. Je fais le mort. Ils ont bien vu. C'est bon, ça marche. Sérieusement. Putain, il m'a volé 1410 et je les ai même pas récupérés quand je les ai vaincus, il me semble. Je vais regarder, mais... c'est où les guides? Ouais, non, 1800. Putain, l'arnaque. C'est un truc de fou. En plus, ils sont pas morts. Ils bougent encore. Je sais pas qui c'était ces mecs, mais ils étaient vraiment trop chelous. Ah bah non, là c'est d'où on vient. Ils étaient vraiment trop chelous. Ils avaient des yeux, ils avaient l'air complètement éclatés en plus. Tac. On va passer par là. C'est le moment ou jamais. Allez, on se tire. Vous allez pas partir. Oh, les escrocs. Sont carapatés. Dis, Cloud, pourquoi est-ce que tu as quitté les soldats comme ça? Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Si tu ne veux pas en parler, pas de problème. Quand tu étais soldat, il y avait des gens avec qui tu t'entendais bien? Non, pas du tout. Ah, je vois. C'est vrai qu'on sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils quittent les soldats. Les amis, je vois qu'un nouveau combat s'annonce, on va s'arrêter là, d'accord? J'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve directement dès demain, ou très bientôt en tout cas, pour le prochain épisode. On continue
notre route vers le secteur 7 en compagnie d'Aeris. Et le prochain épisode va débuter directement avec un combat, donc ça c'est cool. Allez, merci encore, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et à très bientôt, ciao ciao.